Je m'appelle Wagan Fay, je suis le directeur administratif et financier de Fanatic Events. Voici M. Saro Papalioun, il en est le président et le promoteur de l'événement Les Talents d'Or. Alors l'événement Les Talents d'Or, c'est un événement qui se tiendra ce 16 décembre sur l'esplanade du Grand Théâtre et qui réunira toutes les 14 régions du Sénégal à travers 4 disciplines. Un concours de roller, concours de breakdance, élection Miss et concours d'art oratoire. Maintenant, ce que nous voulons en réalité, c'est offrir à ces jeunes, aux jeunes Sénégalais, une plateforme, un cadre d'expression, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour essayer de montrer leur talent. Il faut qu'on offre aux Sénégalais une possibilité, aux jeunes talents, de montrer ce qu'ils savent faire, c'est important. Et c'est ça qui nous a motivés aujourd'hui à créer cet événement, Les Talents d'Or. Nous en sommes à la 3e édition et je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Les innovations de cette année ? Les innovations pour cette année, c'est la participation des 14 régions et surtout le concours d'art oratoire. Et comment vous avez trouvé le concours des années passées ? Le bilan est assez satisfaisant. Et on a beaucoup appris, on a beaucoup acquis en expérience, énormément. Et on sait maintenant comment s'y prendre, on sait quoi faire, à quel moment le faire. On est devenu des pros, je crois, en 3 ans. Pour les gagnants, il y aura un système d'accompagnement, c'est-à-dire on ne va pas les laisser. Tout à l'heure, on a donné l'exemple du gagnant du concours de roller. Ce gagnant-là, par exemple, on peut l'accompagner jusqu'aux prochaines compétitions à la Coupe du Monde des rollers, parce que ça existe maintenant. Il y a eu la participation du Sénégal l'année dernière. Hein? L'équipe vainqueur déjà. Hein? Donc c'est un peu ça. On va vraiment les accompagner, tous les gagnants. On va faire tout notre maximum. Et puis voilà. C'est ça. Alors, tu es Olof. C'est exactement ça. Ce que nous attendons, pratiquement rien. C'est-à-dire, nous, la satisfaction, le fait qu'on voit des jeunes évoluer. Des jeunes comme nous, nous sommes en train d'évoluer dans ça. Eux aussi, ils doivent évoluer dans leur talent. Donc voilà, c'est un peu ça. Événement yiñu deugmal, manam événement talent d'or, bi am le 16 décembre ci esplanade du Grand Théâtre bi. Bu nga xamné ñent discipline lay bolé. Roller, élection Miss, concours breakdance ak concours mën wax éloquence légui bi innovation yi moy ñi joggé ci région yi 14 régions Sénégal yépp dañuy bok dañuy ñëw et inshallah ñu ngi wo ñëpp ñu ñëw ci événement bi muy sponsor yek muy parrain yek muy képp ku ci mëna japp nak ay ndaw lañ yi nga xamné dañu bëgg évoluer le dëkk bi avancer le dëkk bi jappalé jeune yi pour donné sax jappalé sax des mel ni lén ki mais assister jeune yi waaw ñun de lool mo ñu taxa jog té ñi ngi jox dig dajé ñëpp bu sobé yalla 16 décembre inshallah. Objectif talent d'or moy ubil mais ñi nga xamné dañu am xarañté ci bénn mbir ñu may lén fu nga xamné mën nañ fa woné sen mën lool le cadre bob nañuy offrir à des talents qui viennent un peu partout du Sénégal. Ouais, c'est ça. Waouh, def nañ ay démarches. Amna ñu nga xamné jot nañ ñu recevoir, am ñu nga xamné ñu ngi né ñu xaar, ñu ngi xaar dal, ñu ngi xaar. Wagan Fay. Merci beaucoup. À part comment on dit, est-ce que Merci beaucoup.